les chippies. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je suis avec Kelly de la chaîne KAA. C'est ça, bravo. Je me suis entraînée. Et donc aujourd'hui on vient avec le challenge Bean Boozled. Donc voilà, on va faire un petit truc rigolo ensemble. Et donc nous en fait on vient de faire le make-up de Kelly. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage oriental, donc pour les fêtes de l'Aïd ou peu importe, et allez regarder sur sa chaîne, vous verrez, vous aurez le look sur la chaîne de Kelly. Voilà, on va commencer donc avec ce truc-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a partagé les bides, donc comme on fait tout le monde, donc c'est-à-dire 8 et 8. Ouais. Et donc on a des goûts un peu spéciaux, donc vous savez ce que c'est que le challenge Bean Boozled. Il y a en fait un bonbon hyper bon et un bonbon hyper dégueulasse. Donc j'espère que c'est Kelly qui les aura tous les pas bons, hein, parce que j'ai pas envie du tout de les goûter. Donc on va faire ça. Alors on commence par qui? Qui commence? Tu es l'invité, vas-y. Ah ça je l'attendais celle-là. Ah bah oui. Alors on commence par lequel? Eh ben l'orange, tiens, on va y aller. Oh non, cash. On va y aller cash. Donc. Alors c'est quoi donc l'orange? On va le lire, hein, parce que... Alors l'orange, on a goût vomi ou goût pêche. Alors, 1, 2... Mauvais. J'en bois. T'as quoi toi? Moi j'ai gerbe. Ah mais moi aussi. Toi aussi mais oui. Je crois qu'on s'est fait arnaquer, on a eu deux vomis dans la même boîte. Mon dieu c'est dégueulasse. Dedans. C'est un goût de fromage. En fait c'est pas goût vomi, c'est goût camembert pourri. Ouais bah là on dirait un fromage. Non mais à la fin c'est goût même du... On dirait du mazout, du gazole. Oh mon dieu c'est dégueulasse. Bon bah on a eu deux dégueulasses en fait. Oh merde dégueulasse. Mince, excusez-moi mince. Alors là on attaque avec donc un mois. Ouais ouais. Avec les verres t'as acheté c'est ça? Alors on a booger, qu'est-ce qu'on avait dit que c'était booger déjà? Crotte de nez. Oh mon dieu. Ah celui-là je franchement limite pire que vomir. C'est quel goût la crotte de nez? Parce qu'il y en a qui la mangent la crotte de nez donc ça pour ça. David dis nous. Sinon... Jus de poire alors. Non, c'est celui-là. Ah, j'espère que t'aurais coordonné rien pour ça. C'est le fameux celui-là. 1, 2. Oh non, c'est pas rigolo. Mais il est hyper bon. Hein. Franchement, je ne regrette rien. Ça change là. Ouais, il est très bon. Trop bon. Vraiment le jus de poire. Carrément. On va dire. 1-1, on va dire. Hein. Allez, ouais. Alors à toi, lequel tu choisis? Moi, c'est celui-là là qui m'attire. Alors donc on a celui-là c'est nourriture pour chien. Ah c'est vrai. Et pudding au chocolat. Allez, j'espère, pudding. Moi j'aime le chocolat, j'espère que ça sera pudding. C'est clair. 1, 2. Tu l'attends quoi? Ah voilà, ça sent vraiment la boîte pour chien. Nourriture pour quel? Je vais pas le garder. Je le sens d'ici. Oh mon dieu! Ah, je le sens ici! Il y a son chéri ici derrière, il va l'embrasser après avec ça! Ah, ça va donner! Hein, ah mon dieu, non mais moi je l'ai laissé, excuse-moi, bon, ça fait du gaz, il est sur l'assiette! Mais non, c'est ça pas possible! C'est un canigou! Ouais! Non, les bons, je relativise, allez! Mais non, attends, mais ils nous ont fait un truc bizarre parce que normalement c'est un bon et un pas bon, non? Bah tu vois, un bon quoi? Ça surprise la roulette! Donc ça, c'est toi qui as fait alors? Alors à moi! Allez, attends, on va faire... Et ça résiste, hein. Mon dieu, c'est dégueulasse. Je vais faire celui-là, moi. Tiens, un qui est très intéressant aussi. Alors, chaussette pourrie, qui pue, ou tutti frutti? C'est lequel, la couleur, je vois pas. Ah, ça oui. Rose. Ah, chaussette qui pue ou tutti frutti? La chaussette bien puante. Maman. Un, deux. Ah. Mais on utilise des chaussettes. Ah. Et sérieusement, c'est ressemblant. Bon, c'est moins pire que Canet Dog. Hein, ah ouais. Alors, j'ai fini. Mon dieu, si on m'a dit que le tac c'était ça, c'est dégueulasse. Je me suis dit non, quand même, on va pas abuser sur les goûts. Ah si. Si, si, honnêtement, c'est relevé. Le blanc, tiens, allez. Donc, le blanc, bon, celui-là, c'est lingette de bébé. Voilà. Bon, moi, je nage dedans, donc. Voilà. Ou coconut, donc noix de coco. Il est attirant celui-là. Allez. Ouais. Lingette de bébé.
Nage bien, regarde, on dirait de la rose. Non, mais la crème. La crème qui est dans la courgette. Ah oui. Bon. Ah non, mais Canette Dog, là, moi, je l'ai encore en travers de la gorge. C'est vrai qu'il était dégueulasse aussi. Alors, et vomi. Je crois que c'est le pire. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il est pire aussi. Que vomi. Il est corsé, mais alors Canette Dog... Alors, c'est moi qui ai eu l'idée du challenge avec Kelly, hein. Ouais. Je l'ai invité pour ça. On fait celui-là, allez. Le œuf pourri ou popcorn au beurre. Là, je sais pas, comme ils ont pas la même couleur. Ce goût-là, je déteste, moi. J'aime pas, même quand je sens l'odeur des œufs pourris, je déteste ça. Donc, normalement, c'est bon. Hein. Ils ont pas la même couleur, mais normalement, c'est... je crois que c'est les mêmes. Un, deux. Œuf pourri. Œuf pourri ou popcorn au beurre? Non, œuf pourri, moi, j'ai... Ah, t'as œuf pourri? Moi, j'ai l'impression que j'ai popcorn. J'ai eu peur, c'est popcorn au beurre, c'est dégueulasse. Si, c'est ça. J'ai l'impression que c'est rotten egg. Non, moi, c'est popcorn, je crois. C'est bon? Ouais. T'as de la chance, voilà. Mais j'ai eu peur au départ quand j'ai croqué. J'ai beau lui avoir souhaité de les manger tous les pourris, mais en fait, non. Ça, ça a l'air d'aller. Ça arrache, oh là là, mon c'est dieu. C'est vrai. Ça a vraiment le goût, ça semble. Une... Ah. T'as le goût vomi directement à la caméra. Alors, à toi. Allez, le vert, tiens. Le vert, alors, c'est celui-là? Alors bon ça... alors c'est un nouveau goût apparemment, c'est pelouse ou citron. Voilà. Tiens David, tu peux... Il y a pelouse. C'est pas possible. J'ai l'impression aussi. J'allais dire, je t'en sors un autre, tu le manges. Ah, oh, pelouse, hein. Ça va. C'est léger, t'as vu? C'est plus gazon tendu. Ouais. Toothpaste, donc brosse à dents, j'allais dire dentifrice. Et toi, Berry Blue, et toi, je veux dire, non. Ouais. Et Berry Blue, donc Berry Blue, c'est genre un truc cassis, c'est un truc comme ça, non? Ouais, voilà. Par contre, Toothpaste, ça, c'est un truc qui me dégoûte. Ah ouais? Le fait de l'avaler, en fait, je m'imagine avaler mon dentifrice, c'est psychologique, ça me dégoûte. Ah, donc, allez, voilà. C'est le dernier. Voilà. Dernier pour la route. Parti. Un, deux. Ouais. T'as quoi? Bah, ouais. Non, on dirait que c'est le... Ben de bouche. La benne de bouche, voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'hystérine ou quoi? Ouais, c'est ça. Bon, comme ça, on finit par ça au lieu de canette d'un. Oh, purée, t'imagines. On a fini par le meilleur, on va dire, c'est pas grave. Ça va. Ouais. C'est pas bon, mais ça passe. Ça passe, voilà, ouais. Ça, on va dire que ça passe. Ça y est, moi j'ai laissé le canette d'un et là, toi tu l'as avalé, hein. Tu l'as fini. Oh, moi. T'aimes ça? À la guerre comme à la guerre, comme non, on dit. C'est impossible. Ah non, mais moi j'avais l'impression qu'on avait ouvert une boîte de chien là. Ah, dégueulasse, c'est vrai. Ah, bah c'était bien sympa. Alors, l'expérience de ce tag, c'est rigolo. Faut le faire avec quelqu'un qui a franchement l'esprit ouvert parce que c'est vraiment. Il y a des trucs vraiment qui sont dégueulasses. Ah, ouais. Voilà, voilà. Donc je bois encore un petit coup pour faire passer ça. Moi, je me laisse m'imprégner. Non, mais moi, j'aime pas les bonbons. Moi, déjà, à la base, j'aime pas les bonbons. Ah ouais, j'ai horreur des bonbons. J'aime le chocolat, pas les bonbons, ouais. Alors, t'imagines quand c'est pas bon, quand c'est dégueulasse. Voilà, voilà, mes chéris, pour ce tag. J'espère que vous avez aimé, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, d'ailleurs. Ah ouais, fais-nous le tag, boozle tag, je ne savais pas avec qui le faire. À la base, je voulais faire avec ma petite soeur, je me suis dit, bah tiens, Kelly, viens, alors je profite de le faire avec Kelly. Alors c'était super super sympa de rencontrer Kelly, c'est franchement une fille, soit pour dire ça, voilà, devant la caméra ou quoi que ce soit. Alors je la suivais déjà depuis un bout de temps et voilà, donc même avant qu'elle me connaisse elle, je crois. Ah ouais. Ouais. Et franchement elle est aussi sympa sur ses vidéos qu'en face, aussi ouverte d'esprit et voilà. Donc il en faut vraiment beaucoup beaucoup plus des gens comme elle et c'est vrai. C'est du blush. Je le dis, mais ça vient du cœur. Et donc voilà. Et son chéri est aussi sympa qu'elle. Oh bah voilà. Je suis contente de nous recevoir à la maison en tout cas. Oh bah moi j'étais super contente aussi. Et je partage le même avis. Je vais repartir avec un gros bouquet de roses là. Ouais, tout ce qu'elle vient de m'envoyer. Ouais, non, mais c'est vrai, ça vient du cœur. C'est vrai. Quand c'est vrai, faut le dire. Quand c'est vrai, faut le dire. Faut pas hésiter de donner des petits compliments. C'est gentil, c'est très gentil. Voilà, voilà mes chéris. Bah écoutez, si vous avez aimé le tag, bah cliquez sur j'aime bien sûr. Continuez à vous abonner. Et si vous voulez encore d'autres tags, bah laissez-moi ça en commentaire sur la vidéo. Je vous invite à aller regarder la chaîne de Kelly qui est super, beaucoup de conseils. Non, franchement, t'as plein de conseils, mais c'est vrai, moi j'en fais pas souvent des vidéos comme ça, conseils. J'en fais de temps en temps des vidéos blabla. Mais t'en fais beaucoup. Là, t'as pas longtemps, t'as pas fait une.
un truc en direct sur la scolarité. Ah oui, ouais. Oui, bah, ah, c'est ouais. sympa, ça aide. Ça aide oui, beaucoup, c'était ça... sympa, ouais, c'est parti en FAQ, mais c'était sympa. Alors, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien de façon la chaîne de Kelly. Et si je vous redis encore le petit look de Kelly, vous irez le voir donc sur la chaîne de Kelly. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, au revoir.